dans le game. Oula, je vends pour mes fans. Gros, j'ai des frissons quand je monte sur scène. Est-ce que je peux avoir la bourse, c'est ça la question? Mais nique ta grand-mère frère, tu gagnes 6000 euros par mois frère. Bah la bourse serait une étoile en plus et je gagne pas 6000 euros déjà, je gagne 7800 euros. Mais frérot, ils vont voir ton salaire, c'est eux qui vont te prendre de l'argent. Quoi? T'es fou quoi? Pourquoi? Mais frère, non, t'auras pas la bourse. Ça serait honteux que t'aies la bourse. Ça serait honteux que t'aies la bourse. Oui, mais il y a un monde où j'ai la bourse. Vous savez que les refs, ça peut aller super vite. Ça fait 4 ans. 4 ans que je bosse sur Twitch. 4 ans d'effort. Si tout de suite, maintenant tout de suite, je baisse mon caleçon et je vous montre mes couilles, j'ai réduit à néant 4 ans d'effort. En une paire de couilles. Si je sors mes couilles maintenant, tous les efforts que j'ai fait pendant ces 4 dernières années, toutes les heures que j'ai passées à stream, toutes les idées que j'ai sorties de ma tête, tous les logos que j'ai pondus, tous les jeux que j'ai fait, tous les fous rires pour rien à cause d'une paire de couilles. Donc je peux pas être fier de ce que j'ai accompli. Parce que ma vie elle tient à une paire de couilles. Est-ce que tu comprends ça? Si je sors mes couilles, je perds tout. Je perds tout, mec. Ouh. Ok, j'avais pas vu. Oh là 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 là. Le tibia dans les couilles. Le tibia dans les couilles. Regardez bien. Regardez sa jambe. Mais en gros, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais en ce moment il y a ça parle de Julia qui a refusé de jouer avec un mec qui lui a offert 1000 euros. Et moi j'ai regardé ça et j'étais stupéfait. J'étais stupéfait que un mec il offre 1000 euros et il trouve que ce soit logique qu'elle joue avec lui. Alors je vais dire deux trucs. Déjà premièrement, un don, si tu fais un don, c'est censé faire plaisir à la personne d'en face et tu demandes rien en retour puisque c'est un don, c'est une donation, un acte de donner, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et deuxièmement, si jamais elle avait accepté le don, mais vous imaginez le nombre incalculable d'insultes qu'elle aurait pris? Est-ce que vous imaginez le nombre d'insultes incalculables qu'elle aurait pris? Ouais, regardez, Julia, elle joue avec un mec qui lui a offert 1000 euros juste pour la thune. Je suis réveillé depuis 9h du mat. Parce que en gros hier, tu vois, hier c'est l'anniversaire de ma tante et tout. Donc du coup Rapta Stenda, moi vous le connaissez, je suis un gros alcoolique de merde. Donc du coup je me suis bien mis minable à coup de Diabolo fraise et de Champomy. Et donc du coup gueule de bois oblige, je me suis couché super tôt et je me suis endormi à minuit. Ah là t'as une touche mais au sens propre. Mais non, parce qu'en fait on est potes, y'a rien. Ah ouais, ah bah il peut te baiser, y'a pas de problème vu que c'est ton pote. Ah jamais ça. Moi je pense que là ça me casse le cul, franchement ça me dérange pas vu que c'est mon pote. Merci Svins, merci beaucoup. C'est quoi le débat? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Bah en gros elle a dit tu peux me toucher les seins mais ça me dérange pas vu que t'es mon pote. C'est vrai, non. Je peux te toucher les seins? J'ai dit qu'en gros toi et moi il y aura, parce qu'il a dit Balti, il y aura, pourquoi vous mettez pas E et T dans le chat, Elias et Tiara? Ouais. J'ai dit mais toi et moi c'est impossible, on est potes. Ah ouais, demande déjà, t'as pas dit ça. Eh mec, elle a dit ça, elle a dit franchement il peut me toucher les seins, ça me fait rien. J'ai dit oui, après j'ai dit ça, si Elias il me touche les seins, je suis sûr qu'il y aura rien. Genre rien de mon côté ou de ton côté? Les deux. Ah bon? Oh là, c'est le plus grand mensonge que j'ai entendu de ma vie. Oh là, c'est quoi ce mensonge? Alors là. Encore une fois, j'ai été con. J'ai pas de mot de passe sur mon PC. Non, mais non, mais les gars, mais mettez un mot de passe sur votre PC, mais non. Même si tu vis seul, tu mets un mot de passe sur ton PC. Putain, toujours les gars, tu mets un vieux truc, tu mets un dollar, tu mets un dollar, tu mets une étoile, tu mets juste ça en mot de passe, ça marche, tu peux mettre un seul caractère. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Ah ouais, mais là c'est free, ils avaient accès à tout. Et d'ailleurs je reçois mes trucs demain normalement. Normalement je reçois mes trucs demain. J'étais censé les recevoir aujourd'hui mais bon je suis livré par des PD donc alors c'est je dis juste ça parce que j'ai déjà été livré par eux et qu'il y avait du retard. C'est vraiment par des PD que je suis livré, les refs. Vraiment, vraiment, la vie de ma mère. Regardez, j'ai même un message. DPD France, bonjour, votre colis FWEB sera présenté ce jour. Donc ils m'ont envoyé ce message à 8h36 ce matin. Et ils ont dit livraison sécurisée, voici le code à fournir à votre livreur, blablabla. Sauf que je n'ai pas reçu le colis, donc comme c'est DPD qui m'ont livré et que j'ai déjà connu ça avec eux, voilà. Y a pas de... Ok. Wouh!
Attendez, je vous montre la vidéo. Tu m'as utilisé, frère. Bah oui. Tu m'as utilisé et j'ai donné le peu de dignité pour des subs. Ça fait déjà un an, tu t'entends que maintenant, frère. Toi, ta gueule. Mais frérot, moi je te baise et y'a pas besoin de subs, fils de pute. Je viendrai dans ce moment. Regarde, si jamais tu casses pas les couilles, je vais sur ton live et je t'offrirai un sub. Tu m'offriras un sub. Tu m'offriras un sub. J'ai des poils, frère. Non, c'est bon, vas-y. Mais vas-y, dis-le, frère. Ça t'a fait trembler comment il avait peur. Bah, ça va, c'est un steak mignon. Non, par contre, dans la vidéo, mais j'ai tapé fort. Vraiment, j'ai tapé fort. Je te promets. J'ai tapé fort et main ferme en fait. Et une petite. Et pourquoi t'as tapé fort? Et parce que j'ai juré, voilà, que j'allais taper fort. Starfallah. Ah, bah, ok. Ok, bah, ça va alors si t'as juré. Oh, je vais t'enculer, Elias. Oh, je vais t'enculer. Je vais briser les yeux, je vais boire ton sang. Même ma mère, je lui ai pas dit. Voilà, même ma mère, je lui ai pas dit. Que quoi? Même que quoi? Cet ogre. Que quoi? Gros, j'ai dit, tu vois, j'ai passé le permis ce matin, tu vois. Et genre, je voulais. Parce que là, c'est la nuit père, je lui ai posé des questions. Même ma mère, je lui ai pas dit que j'ai passé le permis. Je reçois 5 DM. Bonne chance pour le permis. Inch'Allah, tu l'as. Inch'Allah, ça se passe. Ah, parce que. Ah, t'as peur du haine, de l'œil des gens? J'ai trop peur de la haine des gens, frère. Moi, je le dis à personne. Non. Moi, je le dis à personne, frère. Quand je fais un truc comme ça, je le dis à personne. Mais là, tu l'as dit à 7000 personnes, là. Va te faire enculer, ça qu'il a dit. Va te faire enculer, ça qu'il a dit. Oui mais attends, moi je peux pas récolter du haine pour toi frère, c'est toi qui en récolte. Non, calme, de toute façon maintenant j'ai roulé, ça veut dire j'ai déjà roulé, je suis déjà chez moi, ça veut dire on va attendre. L'époque des streams 24h, t'étais à ton prime? J'ai jamais été à mon prime les gars, jamais. En fait c'est ça le truc, j'ai jamais été à mon prime, vous pouvez pas savoir comment je suis à mon prime. Vous le saurez un jour peut-être, son prime égale la vie une semaine. On verra bien les gars, on verra bien. Wesh BG, invite Vault Discord, on va faire du Rocket League. Ah ok, vas-y viens. Excuse-moi parce que je pensais que c'était mon stream en gros, vas-y, ciao, désolé. Pourquoi tu viens pas gros? Hein? Pourquoi tu viens pas? Ah quoi, c'est pas ton stream, c'est le mien? Ah, c'est pour ça, ok. Get, j'ai ramené qui, Bader, qui va travailler là? On est la sécu, vous êtes pas, c'est madame, qui? Oh, yo. Mais non. Eh ouais. Attends, je finirai. Oh non, c'est trop. Oh non, c'est trop. Oh, quoi? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Non, Idriss, je vais péter un câble. Idriss. Bader! Mais vous avez pas un cure-dent quelque chose? Bader! Oh là, c'est trop, Bader! Vous avez un bouton en fait, merci. Vous avez un bouton à côté de la. À côté des yeux. C'est bizarre. Oh là là, bon, eh, parfait, tu corresponds parfaitement au poste. Oh les deux là, oh là! Eh, venez, c'est là Idriss, venez. Allez, le dernier. Viens là, fils de pute. Non. Monte. Je suis mort. Vous tous, je vais vous demander un par un si vous êtes pas chaud. Moi, perso, je le ferai solo. En gros, c'est on fait Toulouse, Perpignan. À pied, le premier arrivé il a gagné. Et après il y a des trucs genre pas le droit au téléphone, quand tu fais de l'autostop t'as le droit à un certain nombre de kilomètres, nanana. T'es chaud ou pas? Ouais, pourquoi pas ça. Ok, ça me va. Je t'ai dit de rester dans ta chambre. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Retourne au lit, tu partiras demain. C'est un ouf lui. Oh ouais. Avec ton pack, j'ai l'impression que c'est un gros boule face à moi, frère. Ouais, c'est génial ou quoi? T'as vu généralement les meufs, quand elles sont en place, elles sont trop bonnes en RP. Elles sont toujours éclatées IRL, frère. Elles sont quoi? Elles sont toujours éclatées IRL. Ouais, c'est vrai ça. Toujours. Ouais, je te jure, c'est les personnes les plus bonnes qui sont éclatées en IRL, c'est terrible. Retenez bien ça, et vous pouvez clipper et faire tout ce que vous voulez. Si Elias tourne pas autour des 30k viewers constants dans 3 mois, je suis la reine des putes. Je suis la reine des salopes. Si Elias n'est pas top de streamer avec JL Tommy top 1, je suis la reine des putes. Elias, il est en train d'exploser et il ne va jamais s'arrêter. Débrouillard, je les voyous, je fais du cache-cache, je fais des jaloux. Pour avancer, je les barrières, les couronnes, on les anneaux. Pose ta candidature, la street, on la connaît par cœur. Y'a les bons et y'a les faux acteurs. Y'a plus rien dans le barillet, il m'en reste 5 dans mon chargeur. On va pas t'écouter, la parle me coupe.